Je vais vous montrer une méthode de montage de maille qui se fait avec l'aide d'un crochet et qui donne une bordure élastique. On a besoin donc d'une aiguille, d'un crochet et on commence en faisant une boucle sur le fil. On charge la boucle sur l'aiguille. On place le crochet derrière l'aiguille. Le fil est derrière le crochet. On tourne dans le sens des aiguilles du montre pour enrouler le fil et avec le crochet, on tire une boucle. Crochet derrière, fil derrière. On enroule dans le sens des aiguilles d'une montre et on tire une boucle. Crochet derrière. On enroule, on tire la boucle et on répète ce geste. Autant de fois que nécessaire. Voilà, on va dire que j'ai besoin de monter 10 mailles. La première boucle ne compte pas comme une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque donc 2. Je monte une maille, une neuvième maille. Et pour la dixième, au lieu d'enrouler autour de l'aiguille du crochet, j'enroule le fil seulement autour du crochet pour faire simplement une maille de chaînette que je place au bout de l'aiguille. Donc là, j'ai mes 10 mailles. 10. Et cette boucle-là, elle ne compte pas. On peut l'éliminer tout de suite. Voilà ce que ça donne. En fait, on a deux chaînettes imbriquées qui partagent le même brin. Ça fait un petit peu comme un demi-high cord.